Alors, on aborde maintenant un cours sur le Quai d'Orléans, ce que je vous avais promis, qui commence juste derrière moi. Mais avant de l'aborder, je voudrais signaler la rue Saint-Louis-en-Lille que vous voyez ici. J'ai parlé dans l'introduction d'un développement urbanistique. Eh bien, figurez-vous que 300 ans, 350 ans avant Manhattan, l'île Saint-Louis est un premier exemple du plan en grillage. La rue Saint-Louis-en-Lille passe exactement dans l'axe est-ouest, tant et si bien que lors des équinoxes, le soleil se lève à l'autre bout et fait son trajet jusqu'au coucher du soleil ici. Et ça reste exactement dans l'axe. Premier point. Deuxième point, c'est qu'il n'y a, pour les rues latérales, il n'y a que des coins à 90 degrés. Donc c'est vraiment Manhattan avant la lettre. Avant d'aller plus loin, juste pour l'anecdote, la brasserie que vous voyez ici, la brasserie de l'île Saint-Louis, est connue dans la communauté anglophone comme le Big O, the Big O, le grand oasis. Parce que, il y a quelque temps encore, mais il est parti maintenant, le patron était fan de rugby et accueillait régulièrement des Irlandais, des Écossais, des Anglais, etc., lors de matchs où les Bleus jouaient aussi. Un souvenir personnel, un dimanche vers 3h du matin, j'habitais pas loin, et il y a eu un concert de klaxons qui m'a réveillé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et puis je me suis dit, mais il y a peut-être un problème. Je me suis habillé, je suis descendu dans la rue Saint-Louis-en-Lille, et ce qui se passait, c'est qu'il y avait trois Écossais, l'Écosse ayant battu la France, qui remontaient dans le sens contre celui de la circulation, la rue Saint-Louis-en-Lille, en kilt. Et je ne sais pas depuis combien de temps ils faisaient ça, ils étaient à quatre pattes. Mais il y avait cinq ou six voitures qui visiblement s'énervaient, qui étaient là depuis un bon moment. Alors je suis retourné me coucher. Nous sommes ici au coin du Quai d'Orléans et la rue Boutarel. Ici, la rue part vers l'intérieur en oblique légèrement, mais vous remarquez que, comme je l'ai dit, fait un angle de absolument perpendiculaire par rapport à la rue centrale, la rue Saint-Louis-en-Lille. Donc les quais ont des noms nobles, dynastie monarchique. Boutarel, c'était qui? C'était un seigneur? C'était un haut fonctionnaire? Le Boutarel en question a vécu au milieu du 19e siècle et était teinturier de son état. Alors peut-être vous pensez qu'il a travaillé pour Napoléon III comme teinturier. Non. Il faisait partie de la garde nationale. Alors pourquoi une rue a son nom? Parce qu'il a inventé quelque chose de très important pour les militaires. Et cette chose lui a valu l'opprobre éternel de beaucoup de soldats. C'est le sac à dos. Si on continue à marcher sur le quai d'Orléans, on arrive à la rue Le Regrettier. Comme j'ai dit dans l'introduction, le Regrettier en question, c'était un membre de l'équipe de Troyes qui ont fait l'opération immobilière, entre autres, de l'île Saint-Louis. Mais au cours des siècles, le nom a évolué, c'est devenu à un moment donné Regrettière. J'ai vu des plans du 18e où c'était marqué la rue Regrettière, puisqu'il y avait un magasin dans cette rue, petit magasin modeste, de regras, c'est-à-dire de dépôt-vente. Ensuite, c'est devenu la rue de la femme sans tête, et ça, on y viendra dans un autre cours. Et finalement, c'est revenu à Regrettier. Nous sommes devant le 6. On sait qu'une certaine Jeanne Duval habitait au 6,
Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Si je vous dis qu'elle était également appelée la Vénus noire, une maîtresse de Charles Baudelaire qui habitait pas loin, on y reviendra. Et il y a un mystère sur Jeanne Duval. On sait que c'était une noire, femme de couleur. Baudelaire l'avait croquée, très joliment d'ailleurs. Mais est-ce qu'elle était africaine? Est-ce qu'elle était antillaise? Est-ce qu'elle était de l'océan Indien quelque part? Mystère. La plaque à côté de la porte d'entrée indique que Coufinal habitait ici aussi. C'était un procureur copain de Robespierre. En fait, on pense que peut-être il avait habité en face au 5, mais peu importe. Son fantôme rôde ici. C'était un méchant. On dit, par exemple, que lorsque Lavoisier était accusé de je ne sais plus quoi, Coufinal a dit « Mais la Révolution n'a pas besoin de scientifiques. » Avec la chute de Robespierre, Coufinal est mal tombé. On est venu le chercher ici, donc soit là, soit là. Il s'est échappé, il a pu se cacher dans une petite île près de l'endroit où il y a aujourd'hui la tour Eiffel, pendant 4 ou 5 jours, puis on l'a pris et vous imaginez ce qui lui est arrivé. On a découvert dans sa cave une bonne centaine de bouteilles excellentes. Encore un mystère, on ne sait pas ce que ces bouteilles sont devenues. Pour terminer notre balade sur le quai d'Orléans, je rappelle qu'au début, j'avais fait comprendre, je pense, qu'une partie du charme de l'île Saint-Louis, c'est que tous les bâtiments, hôtels particuliers et immeubles, ont été construits pratiquement en même temps au XVIIe siècle, ce qui donne une unicité de style. Au XXe siècle, on a violé un petit peu cette unicité de style. Vous voyez derrière moi un bâtiment au coin de la rue Budet et du quai d'Orléans, un peu en arrondi. Bon, clairement, pas du XVIIe siècle. Et un peu plus loin, vous voyez un bâtiment comme ça, un peu concave, également du XXe siècle. Lorsqu'on a élargi la rue des Deux Ponts, traversant l'île, et ça a donné lieu à des événements cocasses qu'on va évoquer un peu plus tard. Pour revenir à cette maison derrière moi, j'ai déjà parlé du romancier américain James Jones, ben, il habitait là. Et la légende veut que, lorsqu'il a eu son premier grand best-seller, « Tant qu'il y aura des hommes », subitement, il avait de l'argent, et il aurait acheté le rez-de-chaussée. Best-seller suivant, premier étage. Best-seller suivant, deuxième étage. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où il est reparti aux États-Unis, un peu fatigué, et il est décédé aux États-Unis. Il était un homme très affable. Dans l'île, tout le monde l'appelait Jim. Et il faisait souvent salon, entre guillemets, au premier étage ici, le dimanche. Vous imaginez la vue sur Notre-Dame, sur la rive droite, aujourd'hui sur la tour Montparnasse. Je pense qu'il n'a pas connu. Et les gens qui assistaient à ce salon, se sont rendus compte qu'il valait mieux partir vers 17-18 heures. Parce que sinon, le poker commençait et on jouait jusqu'à ce que James Jones gagne. Et ça pouvait être 2-3 heures du matin. Un dernier point, juste un peu plus loin, se trouve le Centre culturel polonais et le musée Mickiewicz. Je vais expliquer dans un autre cours pourquoi, mais il y a dans l'île une connexion polonaise. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Mickiewicz, le poète national, a vécu ici à un moment donné, et un peu plus loin habitait Marie Curie. Son nom, en fait, c'était Maria Skłodowska, une polonaise, et lorsqu'elle est devenue veuve,
Elle a habité dans l'île jusqu'à sa mort. Voilà. Rendez-vous pour le prochain cours. C'est pas très loin.